plusieurs couches. Les noms des maladies, ça a changé. Vous comprenez? Bon. Alors, donc, je vous ai cité déjà plusieurs choses qui changent la santé constamment. C'est la pensée. Dès que vous pensez négatif, comme vous êtes très puissant, que vous êtes le centre de votre monde, dès que vous pensez négatif, vous engendrez le négatif. Si vous pensez positif, vous engendrez le positif. Donc ça, la pensée, c'est très important. Et dès qu'il y a un problème, au lieu de vous sentir assommé par le problème, il vaut mieux commencer par penser positif. Ensuite, il y a les émotions. Les émotions, comme le mot l'indique, c'est sortir du mouvement habituel, quoi, sortir de l'émotion. Donc, si vous avez des émotions trop fortes, eh bien, il faut savoir que quelquefois, c'est très difficile à gérer. Par exemple, quand on est enfant, on a beaucoup d'émotions fortes, par exemple, si on a trop de pression, à l'école ou à la maison, et on ne peut pas vraiment les gérer. Parce qu'on est dans la soumission aux adultes. Quelquefois, là, ça ne se voit pas qu'il y a la soumission aux adultes. Mais avant, dans l'ancien temps, c'était comme ça. Donc, on a mis au frigidaire des tas d'émotions, et elle reste là bloquée. Mais surtout, on va établir nos schémas neurologiques de réaction au monde extérieur par rapport à ce qu'on a stocké. C'est comme si on se formatait, vous comprenez? Comme avec les ordinateurs, on peut bien comprendre comment ça fonctionne au niveau de notre cerveau. C'est vraiment comme ça.